jours, on refuge, on compte 98 chiens auxquels on s'occupe quotidiennement. Donc tous les matins, il s'agit de les nourrir, de changer leur eau, les couvertures et nettoyer principalement les enclos. Après, aussi, sans oublier qu'on vérifie bien si tout le monde se porte très bien, surtout pour les plus âgés d'entre eux. En été, par exemple, les piscines et les parasols sont sortis, tandis qu'en hiver, c'est plutôt les couvertures. Les couvertures pour nos plus anciens, on préfère... Donc, en été, par exemple, les piscines et les parasols sont sortis, tandis qu'en hiver, nos seniors trouvent, eux, des paniers au chaud dans nos locaux ou bien dans des paniers retraite, en famille d'accueil. À savoir que nos familles d'accueil je perds le bout encore une fois. Donc à savoir qu'en famille d'accueil, les chiens nous appartiennent toujours. Les frais vétérinaires sont donc pris à notre charge, à savoir juste que la famille d'accueil a à sa charge uniquement les frais de nourriture. Elles sont d'autant plus importantes parce que nous ne pratiquons pas l'euthanasie chez nous. Et donc, du coup, je laisse ma parole à Morgane qui va vous parler de tous nos soins d'hiver. Bonsoir, du coup, je m'appelle Morgane et je m'occupe aussi des chiens. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, je pense, la Léodacie a été touchée par le virus de la toux du chenil. Donc, bien qu'il soit bénin, il est très contagieux et a affecté plus de la moitié des chiens du refuge. En plus des médicaments qu'on donne quotidiennement, du coup, il a fallu traiter sur plusieurs semaines une soixantaine de chiens. On a donc fait appel sur les réseaux sociaux afin de trouver l'aide dont nous avions besoin, financière, matérielle, tout ce qui est frais vétérinaires, les médicaments qui ont coûté cher. En ce mois de février, comme pour toute la saison hivernale, on fait surtout attention à tout ce qui est coussinet, tout ce qui est articulation des vieux chiens, parce que c'est vrai que nos vieux chiens ont du mal. Donc ce qu'on peut, on a très peu de locaux chauffés, donc comme on disait tout à l'heure, on préconise d'abord les chiens. On met les chiens au chaud et nous on passe après. Et du coup, je vais terminer sur le mobilhome qui nous a été offert afin que le vétérinaire puisse venir une fois par semaine. Parce qu'il faut savoir qu'on se rend quand même en moyenne 3 à 4 fois par semaine chez vétérinaire, rien que pour des puces, pour des vaccins, pour des petits bobos, pour une otite, parce qu'on n'est pas vétérinaire et on ne fait pas d'automédication. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a un petit bobo, un petit abcès, rien que pour raser la patte, il faut aller chez vétérinaire et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de frais, alors que si le vétérinaire peut se déplacer directement au refuge, c'est vrai que ça peut nous aider. Donc voilà. C'est la parole à ma collègue Maïté qui s'occupe des chats. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Maïté, je m'occupe du secteur des chats. A savoir que quand un chat arrive, il part directement en quarantaine, qu'il soit trouvé, qu'il soit abandonné ou bien capturé, parce qu'on capture les chats sauvages pour les stériliser du coup et les relâcher. Mais ça ce sera pas à moi de vous en parler. Donc la quarantaine, elle est constituée de box qu'il faut nettoyer tous les matins, donner de la nourriture, à boire et procurer les soins nécessaires à chaque chat qui est malade. Ensuite, le chat peut ensuite donc partir en chatterie au milieu de ses congénères où il aura peut-être une chance d'être choisi et adopté. En ce qui concerne les adoptions, on accompagne chaque personne qui vient pour que l'intégration du chat soit optimale dans son nouveau territoire. Une visite vétérinaire, bien évidemment, avant chaque adoption, pour que les chats soient pucés, vaccinés, castrés et testés contre la FIV et la leucose. Donc FIV, sida du chat. Ensuite, c'est ça. Le secteur des chats est composé de chatteries. Donc tous les matins, il faut apporter à manger, il faut changer l'eau. Sachant qu'au sauvage, les gamelles d'eau sont dehors, donc en hiver, il y a de la glace et il faut faire en sorte que l'eau gèle le moins vite possible pour qu'ils puissent avoir à boire le plus longtemps possible, évidemment. Tout en changeant les couvertures, parce que toutes les cabanes ne sont pas chauffées. Il y a du chauffage dans certaines cabanes, mais pas toutes, malheureusement. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Ensuite, on vérifie l'état de chaque chat, parce qu'il y en a à peu près 80. Donc, les consulter un par un, vérifier qu'il n'y a pas les yeux qui coulent, le nez qui coule, des problèmes avec les coussinets ou des taches de sang parce qu'il peut y avoir des bagarres. On fait attention à tout ça et en cas de blessure ou de problème de santé, le chat part directement en quarantaine où il sera soigné. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Amélie qui va s'occuper du reste. Bonsoir, moi je m'appelle Amélie, je m'occupe de la fourrière. Alors mon travail, ça consiste à intervenir dans les plus brefs délais pour procéder à la capture des animaux errants ou en divagation, donc sur les communes qui sont conventionnées avec le refuge. Une fois que l'animal est attrapé, on vérifie tout de suite l'identification, donc le tatouage ou la puce électronique. Si l'animal est identifié, on contacte immédiatement les propriétaires afin que ceux-ci viennent le rechercher au plus vite. S'ils ne le sont pas, alors on les garde 8 jours ouvrés en fourrière, on les fait identifier et ils seront rendus identifiés à leur propriétaire. Bien entendu, l'identification et les frais de prise en charge sont à la charge du propriétaire. Alors, je dois également planifier les captures et les stérilisations des chats errants et ainsi contrôler la population des chats en évitant la reproduction. Une fois stérilisés, les animaux ils sont soit relâchés sur des points de nourrissage, alors en accord avec les mairies, soit recueillis au refuge en vue d'être sociabilisés pour une future adoption. On procède aussi, malheureusement, le côté le moins sympathique de la chose, au ramassage des cadavres d'animaux. Donc ça peut être des chats, des chiens, des animaux sauvages, hein, de la forêt aussi. Alors il faut savoir qu'en 2018, on a effectué 169 interventions pour des animaux en divagation. Donc des chats, des chiens ou des nacs. Il y a 52 chats qui ont été capturés, stérilisés et relâchés sur des points de nourrissage. On a également malheureusement ramassé 34 animaux décédés sur la voie publique. Alors le service fourrière, c'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un investissement de tous les jours pour nous, pour les collègues qui sont d'astreinte la nuit, parce que même à 4 heures du matin, il faut aller les chercher. Donc ça représente une très très grosse charge de travail. Voilà. Maintenant, elle redemande des questions. Alors, allez-y, il y a celles qui veulent. Hein. On toujours couverture, journaux. Voilà, toute l'année, on a besoin de beaucoup de litière. Hein, si on peut économiser la litière, c'est toujours 2000, presque 3000 euros. Si vous avez des voisins qui veulent donner 2 sacs de litière, ou faire un don, et on saura acheter de la litière. C'est vrai qu'il faut être honnête aussi. Quand on reçoit des dons, pour nous, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on a des prix sur la litière, on a des prix sur la nourriture que les gens n'ont pas forcément. Donc avec les dons, bien souvent, on peut en acheter plus qu'avec. Et en plus, un petit rappel, les dons que vous avez pour ceux qui avaient donné l'an dernier sont déductibles des impôts à 66%. C'est quand même pas négligeable. Et puis nous, ben avec 100 euros, on a beaucoup plus de croquettes que vous pour 100 euros. Quoi, hein, c'est, ben, on en a quasiment le double avec les frais qu'on a chez nos fournisseurs. Donc c'est vrai, on continue les collectes. Catherine, tu avais une question ? Oui. Sauf si la personne tient à tout prix à payer à ses frais incinération.